Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes soldes. J'ai pas fait beaucoup d'achats mais je voulais quand même vous partager ce que j'avais trouvé. Donc il va y avoir des petits vêtements, du maquillage. Je suis allée chez New Yorker, chez Tati. Je suis allée également je crois à Leclerc mais c'était pas forcément des soldes. Mais il fallait que je trouve un t-shirt etc. Mais vous verrez ça après. Et ensuite on finira par Nocibé puisque j'ai craqué sur le site de chez Nocibé. J'ai pris quelques petites choses très intéressantes au niveau du prix et au niveau des produits. Donc on va commencer ce haul tout de suite. On va commencer par ce que j'ai acheté chez Tati. Alors faut savoir que le Tati où je suis allée c'est Tati de Portet-sur-Garonne. Pour ceux qui connaissent, tout le magasin est à moins 70% puisqu'ils sont en liquidation. Et je crois bien que Jiffy rachète Tati, si je ne dis pas de bêtises. Moi, quand je travaillais encore chez Jiffy, je sais qu'on rachetait tous les Tati. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont fermer et qu'ils ont tout décidé de tout liquider et de mettre tout à moins 70%. Donc, du coup, il restait vraiment beaucoup de vêtements. Il restait pas mal de déco. Des choses, il y avait des choses magnifiques pour les mariés et... que ce soit femme ou homme, il y avait des costumes, des robes de mariée super magnifiques à moins 70%. Bon, je ne vais pas dire que j'en ai acheté une parce que je vais me marier, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'à moins 70%, ça vaut vachement le coup. Il y avait des belles chaussures et tout. Enfin, voilà. Si vous connaissez, n'hésitez pas à y aller. C'est à moins 70% jusqu'à la fin des soldes. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Moi, la dame m'a confirmé que c'était jusqu'à la fin des soldes qu'ils étaient à moins 70%. Donc après, à voir ce qu'ils vont faire du magasin. On va commencer tout de suite par cette magnifique robe. Du coup, quand je suis allée chez Tati, c'était la veille du baptême de ma fille. Si vous suivez un petit peu mes vlogs. Tout simplement, j'avais pas trouvé de robe pour le baptême. J'avais trouvé une tenue chez Primark, un jean et en haut rose pâle, enfin une petite blouse. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aller voir chez Tati, peut-être que je vais trouver des robes super jolies, etc. Et j'en ai trouvé une très très jolie. Malheureusement que je n'ai pas mis au baptême parce que le temps n'a pas voulu que je la mette. Voilà, il pleuvait. Donc, j'ai pas pu mettre la robe. Donc, je suis restée sur ma tenue jean et blouse rose. Mais c'est pas grave, je la mettrai pour une autre occasion. Je vais juste me reculer, je l'ai mis sur cintre. Donc elle se présente comme ceci, je l'avais montré dans un de mes vlogs, si vous avez suivi, je ne sais plus lequel. Donc elle est comme ceci, elle arrive au niveau des genoux, donc je vais me lever. Elle est comme ceci, voilà. Donc en fait ici vous avez un espèce de décolleté ici, là, mais qui n'est pas tout ouvert, puisque là vous avez un col rond. Donc là vous avez un décolleté comme ceci, vous avez de la dentelle au niveau des bras, vous avez bien sûr ici du... des coussins là, comment ça s'appelle, effet push-up on va dire. Ici de la dentelle, ici on a également de la dentelle derrière, donc elle se présente comme ceci derrière. Vous avez plein de dentelles ici, voilà, jusqu'ici, avec une fermeture pour pouvoir l'ouvrir et la fermer. Vous avez également un petit bouton ici pour l'attacher. Je l'ai pris, alors par contre elle était tachée quand je l'ai achetée, donc heureusement que je ne l'ai pas mis d'ailleurs au baptême. Il faut que je la passe encore au lavage. Je l'ai pris en taille 40, je l'ai essayé, elle me va parfaitement bien. Elle était au prix normalement de 39,99 et moins 70%, elle m'a coûté 12 euros. Si je me souviens bien, je vous mettrai en bas, là, en bas de l'écran gros prix, enfin le prix fort et moins 70% ce que ça vaut. Mais il me semble que je l'ai payé 12 euros. Donc voilà, franchement c'était une très bonne occasion d'acheter cette robe. Alors franchement, j'avais pas l'intention d'aller chez Tati à ce moment-là et c'était super bien tombé. Donc du coup voilà, j'ai acheté cette robe là, je pense que je la mettrai pour une autre occasion puisque là du coup je ne l'ai pas mise du tout. Il faut que je la passe au lavage, je ne sais même pas si, je pense pas à la machine, je vais peut-être la laver à la main. Parce qu'à la machine je risque d'abîmer la dentelle, mais franchement elle est juste magnifique et au prix où elle était, j'ai tout de suite craqué, je l'ai prise. Il y avait bien sûr plein d'autres robes mais du coup moi je me suis arrêtée sur celle-ci puisqu'il m'en fallait pas des tonnes et des tonnes. J'ai quand même fait un tour dans le magasin. J'ai trouvé aussi une robe tunique ou une robe classique. Donc, je vais la mettre juste sur cintre pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, c'est une robe assez simple, bleue comme ça. Pareil, elle arrive au niveau des genoux. Donc, je l'ai essayée également. Alors, il faut savoir que celle-ci, c'est du 34. Je fais un 38-40 et elle rentre parfaitement bien. Alors, est-ce que c'est moi qui a maigri ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est la robe qui est dans une mauvaise taille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'allait hyper bien. Après, c'est vrai que ça dépend des matières peut-être. Il y a des matières que je peux mettre en taille en dessous de ma taille réelle ou au-dessus. Enfin, peu importe. Mais ouais, franchement, elle m'allait super bien. Donc, c'est une robe avec... Oula! Une robe comme ça avec des manches courtes. Toutes bleues comme ça. Vous avez un espèce de nœud au milieu. À l'arrière, vous avez un espèce de petit...
petite aération. Et vous pouvez le fermer avec un petit bouton comme ça et une petite ficelle. Donc celle-ci était au prix de 16,99€, donc moins 70%, je vous mettrai en bas de l'écran, comme d'habitude. Et elle est plutôt élastique hein, au niveau d'ici. On est plutôt pas mal. Mais franchement, elle m'allait hyper bien. Donc du coup, bah, je l'ai prise. Hein. Franchement, pour cet été, ça peut être pas mal du tout. Donc j'ai pris ça. J'ai ensuite chez Tati, je crois que c'est tout ce que j'avais pris. J'avais pris aussi... Ah non, j'ai pris un legging aussi. J'avais pris également un t-shirt à ma soeur, mais du coup, je ne peux pas vous le montrer puisqu'elle l'a avec elle. J'avais pris un gilet, je crois, à ma filleule aussi, que du coup, je lui ai donné. Et je ne sais plus, j'ai le ticket de caisse ici. Donc la robe, c'est ce que je vous ai montré. L'autre robe également. Le gilet, c'est ce que je vous parlais. Ah oui, on avait pris un kit pour faire les photos, vous savez, où vous tenez le bâton là, comme ça, et vous avez plein de styles pour faire les photos. Donc il y avait ça aussi. Le legging et le t-shirt. Le t-shirt de ma sœur. Et le legging, c'est celui-ci. En fait, c'est un legging tout simple. Sauf qu'il est bleu. Et en bas, vous avez un petit peu de dentelle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'adore ce genre de legging, moi, mettre avec des petites tuniques. Voilà, il y a un petit peu de dentelle sur le dessous. Mais franchement, déjà, il était à 6,99€, moins 70%, ça fait rien du tout. Je l'ai pris en taille M. Donc voilà, un petit legging tout simple comme ça, bleu, très élastique. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de legging. J'en ai un d'ailleurs noir que je porte. Donc franchement, c'était une bonne occasion de voir les moins 70%. Alors, il faut savoir que... C'était à partir du 30 juin, donc des soldes. Si j'aurais su avant, je pense que je serais allée bien plus tôt. Là, c'est vrai que j'y suis allée le 3 juillet, donc forcément, il y avait un petit peu moins de choses qu'au début. Mais bon, je ne peux pas tout savoir, hein, voilà. Ça, c'était pour Tati. Ensuite, du coup, à Leclerc, j'ai juste pris un t-shirt comme ça. Hop, c'est un débardeur blanc. En fait, c'était tout simplement pour mettre avec ma robe parce qu'au niveau de la poitrine, moi, j'ai pas forcément beaucoup de poitrine. Donc, je pense que ça n'allait... Enfin, quand je l'ai essayé, ça allait pas aller, en fait, au niveau d'ici. On voyait trop, en fait, en bas. Donc, moi, j'ai voulu prendre quand même un débardeur blanc pour cacher tout ça. Et j'en ai trouvé un tout simple comme ça à Leclerc qui m'a coûté 9,99€. C'est pas très, très donné, hein, Leclerc. Je l'ai pris en taille 34-36 parce que je voulais quelque chose de serré. Et je l'ai essayé, il me va hyper bien aussi. Donc voilà, il est comme ça avec plein de petites dentelles au niveau de là où il y a les épaules. Et ça fait aussi de la dentelle tout autour du petit col V. Donc voilà, tout blanc, tout simple. J'ai également acheté ceci. Donc c'est tout simplement des bretelles transparentes pour les soutiens-gorge. C'est vrai que moi je les achète à chaque fois chez Undies. Mais bon là, comme j'ai pas eu l'occasion d'aller les acheter là-bas, je les ai trouvées aussi à Leclerc. Donc par contre ça je sais pas combien je l'ai payé, je crois 2€ et quelques. Et c'est, il y en a que une, enfin il y a que deux, il y en a que deux dedans. Une paire quoi. Ouais ça doit être ça. Donc voilà, des bretelles transparentes. J'en utilise beaucoup l'été quand je mets des hauts comme ça qui sont sans bretelles, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je change mes bretelles des soutiens-gorge et je mets du transparent. Donc voilà, j'ai pris un lot pour en avoir au cas où j'en aurais besoin. Ensuite, on va passer chez New Yorker. Donc, New Yorker, j'ai trouvé des petites chaussettes. Donc, rien d'intéressant. Des chaussettes qui m'ont coûté 3,99€ les 5 paires. Donc, j'ai racheté des noirs parce que c'est ce que je mets le plus pour travailler. En taille 39-42. Donc, voilà. Vu qu'ils étaient sur le moment, je les ai pris. Ensuite, j'ai craqué pour un petit t-shirt trop mignon qui était également soldé. Donc, je l'ai eu à 4,99€ au lieu de 6,99€. Et il est comme ceci. Il est noir. Hop. Je l'ai pris en taille... M. Et il est comme ceci avec des petites nounours. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc du coup, ben, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc des petits nounours comme ça. Il y a marqué Let's Jet Along Forever. Voilà. donc il est noir comme ça. Il existait aussi en blanc. Mais je me suis dit blanc, c'est ce que j'ai un petit peu beaucoup dans mes t-shirts. Donc là, j'ai pris du noir avec les petits nounours marron comme ça. Avec un peu de blanc. Donc voilà, je le trouvais tellement mignon. Donc du coup, j'ai craqué, je l'ai pris. Et pour terminer, chez New Yorker, j'ai également craqué pour un petit pull. Hop, qui était également soldé. Regardez-moi s'il n'est pas mignon. Donc en fait, c'est un petit pull comme ça avec Minnie et Mickey en doré, enfin en rose gold du moins, dessus. Le pull, il est blanc. Il est passé au prix de... Alors, c'est pas là. De 9,99€ au lieu de 19,99€, donc à moins 50%.
Et je trouvais hyper top. Donc il est resserré ici. Alors c'est pas ce que je vais mettre dans cette saison là, hein. Il y a une capuche comme ça, mais moi j'adore ce genre de pull pour l'hiver. Et du coup ben voilà, j'ai craqué dessus. Et puis comme c'était soldé, je me suis dit pourquoi pas. Il est tout pilou pilou à l'intérieur. Enfin pas forcément tout doux, mais voilà, il tient chaud quand même. Et voilà, le dessin me plaisait beaucoup beaucoup. Je le trouve tellement mignon que je n'ai plus que craquer. Voilà. Pour les vêtements, on en a terminé. Donc là, on va terminer par Nocibé, donc tout ce qui est make-up, accessoires. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu en cadeau. Donc j'ai eu un petit échantillon du Invictus de Paco Rabanne, voilà, pour homme. J'ai également eu ceci. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une lotion pour le soleil. Je regarderai, c'est marqué en français de derrière, mais bon, c'est tellement tout petit que je ne vais pas le lire de suite. Donc j'ai eu ça en cadeau. Et j'ai eu également le petit parfum de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Toujours pour homme, donc ça tombe bien mon chéri, je vais pouvoir lui donner. Parce qu'à chaque fois que je commande sur Sephora ou sur Nocibé, je demande des échantillons pour femmes. Et à chaque fois il râle parce que lui il n'en a pas. Donc là j'ai pris pour homme, comme ça il sera content. Donc du coup voilà pour les petits cadeaux. On va commencer par un petit pinceau. Donc je me suis pris un petit pinceau comme ça. Il était, alors tout était soldé. Je vous mettrai les prix en bas de l'écran aussi parce que je n'ai pas forcément la facture devant moi. J'ai pris un pinceau comme ceci, boule, parce que moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup quand je mets mon petit fard ici et que je remonte ici. Moi c'est ce que j'utilise. Donc c'est le, je sais pas s'il y a un numéro ou pas. Donc c'est la marque Nocibé. J'ai tout pris hein, de la marque Nocibé je crois. Hop, c'est un pinceau paupière flouteur. Donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos puisque je pense que je peux les retrouver. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vais essayer de remettre le petit sans l'abîmer. Bon à mon avis je l'ai abîmé mais bon c'est pas grave. Donc voilà un petit pinceau flouteur comme ceci. Ensuite là j'ai une petite carte de chez Nocibé pour me dire merci. Voilà. C'était bien sûr arrivé dans un carton mais le carton vous voyez je l'ai utilisé pour mon swap AliExpress. Donc du coup j'ai tout enlevé de ce qu'il y avait dedans. On va continuer par un bronzer Nocibé. J'ai craqué sur ce bronzer. Il est un petit peu imitation du Guerlain, le terracotta il me semble. Donc du coup il est trop trop beau. Il est comme ceci. Franchement, si je me rappellerai des prix, je vous l'aurais dit direct, mais vous verrez en bas de l'écran, ça valait vachement le coup, je trouve. Et c'est vrai que moi, sur Nocibé, je ne commande pas beaucoup. Et là, ils avaient vraiment des choses très intéressantes, donc j'en ai profité. Donc du coup, il se présente comme ceci. Donc le miroir ici, hop là, si je mets la main dedans. Et là, vous avez le bronzer, je le trouve magnifique. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur d'y mettre les doigts parce que franchement, il est vraiment tellement beau. Et dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il ressemble à celui de chez Guerlain. Donc là, c'est une poudre bronzante visage et corps. Donc personnellement, je vais l'utiliser que pour visage. Il y a 20 grammes à l'intérieur, donc il n'y a pas forcément de teinte. Mais franchement, je le trouve magnifique. Vous avez un espèce de... on va dire blush au milieu rose comme ça et puis après vous avez un espèce de soleil en doré, il est vraiment magnifique. Après je sais vraiment pas la teinte, je vais essayer de le swatcher mais autour, j'ai vraiment pas envie de toucher le soleil. Ouais il m'a l'air plutôt pas mal, après j'en ai pas pris beaucoup mais voilà, s'il est un petit peu voyant comme ça, ça peut être pas mal du tout. Je pense que je vous ferai un petit crash test des produits Nocibé. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo make-up Nocibé. Donc je pense que je vais pouvoir, avec tout ce que j'ai acheté, je pense que je vais pouvoir vous faire un petit make-up Nocibé. Donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi tout en commentaire, comme ça je vous ferai cette petite vidéo. Ensuite, j'ai pris ce petit kit. J'ai pris ce kit là. Donc c'est tout simplement un highlighter et un pinceau biseauté. Donc toujours de chez Nocibé, je trouve leur packaging vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très jolis. Lumière de rêve, poudre illuminatrice et pinceau. Alors ça, pour faire des cadeaux, c'est vraiment juste génial. Donc du coup, ça se présente comme ceci. Après, je vous avoue que les boîtes, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est tellement joli que j'ai envie de tout garder à chaque fois. Hop, donc ça s'ouvre par le haut, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de... là. Non. Ah oui, d'accord, il y avait un autre scotch. Voilà, donc en fait, ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça génial. Vous allez me dire que c'est qu'un carton, mais bon. Donc, on a l'highlighter et le pinceau. Et après, vous avez l'emballage qui est comme ça. Donc, on a déjà le pinceau qui est... waouh, il est magnifique, très doux. Très doux. Alors ça, personnellement, je ne l'utiliserai pas pour l'highlighter. Ça, j'utilise en général pour le blush.
Donc à voir, peut-être que je vais l'utiliser pour l'highlighter, ça peut être sympa aussi. J'ai plein de colle dessus, c'est très désagréable. Donc c'est un pinceau blush en fait. 23 blushs biseautés. Donc ça, j'utiliserai pour le blush. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un pinceau spécial highlighter puisque c'était avec un highlighter, mais bon. Là, je l'ai pris en... Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes, mais je l'ai pris en teinte 1 Bright Champagne. Donc leur packaging, vraiment très très simple, très classique, noir comme ça, franchement... Pas mal du tout. De chez Nocibé, je crois que j'ai pas grand chose à part deux petits fards à paupières. Après, j'ai eu le calendrier de l'Avent Nocibé, mais j'ai pas forcément eu beaucoup de maquillage dedans. Notamment, enfin, à part des crayons ou des rouges à lèvres. Mais c'est vrai qu'en tant que bronzer, blush, etc., je crois que j'ai pas eu. Si je me rappelle plus, mais je crois que j'ai pas eu grand chose. Donc, on repart sur ce petit highlighter. Waouh! Donc, vous avez le miroir ici. Et regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous allez bien voir, mais alors il est d'une magnificence. Je sais pas si ça se dit. Il est juste magnifique. Mais je sais pas, là la caméra, franchement, vous voyez pas. Mais là, oh waouh, il est vraiment, je suis sans voix. Il est magnifique. On va voir la pigmentation, c'est ça qui importe aussi. Waouh, regardez-moi ça. Voilà, il y a de la pigmentation. Il est juste magnifique, je me répète, hein. Mais il est juste trop trop beau, cet effet 3D là, il est vraiment canon. Alors il dépasse pas, hein, mais alors ce dessin là, juste trop trop beau, trop canon. Donc je me répète, c'est la teinte numéro 1, Bright Champagne. Je pense qu'il y en a d'autres hein, de teintes, mais en tout cas il est juste trop trop beau. Ensuite, je me suis laissée tenter par ce kit de rouge à lèvres, toujours de chez Nocibé, de toute façon il n'y a que de ça. Donc ça, pareil, pour faire un cadeau, c'est juste super. C'est dans un emballage comme ça, où vous allez tirer comme on a fait avec l'autre. Voilà. Hop, franchement, c'est vraiment des packagings vraiment sympathiques. Et en fait, c'est tout simplement des rouges à lèvres comme ça. Alors, voyons qu'est-ce qu'ils disent, eux. Des baisers par milliers, coffret de 6 rouges à lèvres liquides. Alors, est-ce qu'ils deviennent mat? Je ne sais pas. Donc, on a la teinte 1 qui... alors, je vais voir s'il y a marqué la teinte 1 aussi dessus parce que du coup, ça va être compliqué de différencier s'il n'y a pas de numéro. Alors, voyons. Là, on a la teinte Metal Red. En plus, ils ont un... Je pense qu'ils peuvent être métallique. Je vais vous les swatcher de toute façon. Donc là, on a un rouge, waouh. Un rouge très, très joli, hein. Donc, on a la teinte, je vous ai dit, Metal Red. Je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, les liens. On a la teinte, ça sent hyper bon, Red. Voilà, la teinte Red qui est un petit marron-rouge. Ouais, plus marron quand même. Hop. Ouais, plus marron. Alors oui, il faut savoir que j'avais dit que j'achèterais plus de make-up tant que je n'ai pas trié tout le make-up que j'ai derrière. Mais voilà, quand c'est les soldes, on ne peut que craquer. Voilà. Et encore, j'ai craqué que sur ça en make-up. Hein. J'ai craqué que sur Nocibé. J'ai envie de me faire une commande sur Sephora. Mais je ne veux pas passer le panier. Parce que non, je me tâte encore. On a la teinte Gold. Qui est plutôt pas un doré, mais waouh, il est beau celui-là. Il est comme ceci, donc un marron assez discret, métallique. Moi, j'aime beaucoup les métalliques. On a la teinte nude, donc un petit marron, bien nude. Ils sont hyper crémeux, ça, c'est bien, hyper liquide. Ils sentent hyper bon aussi. On a la teinte pink, donc c'est un espèce de violet comme ça. Wow, très foncé. Voilà. Et la dernière teinte, c'est également un violet, mais un petit peu plus foncé. C'est la teinte mauve. Vous voyez, il est un petit peu plus foncé que celui-ci. Ouais. Et celui-là, hop, je vais le mettre ici. Ouais, il est un petit peu plus foncé. Il y a un ton rosé dedans. Voilà. Donc, des teintes très sympathiques. Donc du coup, j'ai craqué pour ce kit. Il était vraiment pas cher hein, en plus. Mais au moins déjà,
Voilà, ça me fait des rouges à lèvres de chez Nocibé. Et en plus, il faut que je regarde parce que dans le calendrier de l'Avent, je crois que j'en ai eu un ou deux. Il faut que je regarde si c'est pas les mêmes. Mais voilà, pour le kit, couleur vraiment très sympa. Ensuite, on continue. J'ai craqué pour le kit de pinceaux comme ceci. Alors, je l'avais acheté pour l'anniversaire de Caro. Et après, il me tentait bien en fait. J'étais limite jalouse quand je lui ai offert. Donc du coup, là c'était en solde, donc j'en ai profité. Et du coup, je me le suis acheté. Donc c'est un kit de pinceaux avec une trousse dedans. Donc vous voyez, ça, pour offrir, c'est vraiment juste génial. Hop, regardez-moi cette beauté. Donc vous avez les pinceaux et la pochette ici pour les ranger. Donc je sais pas si la pochette, je vais l'utiliser, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand on va en vacances par exemple. Donc là, c'est un kit de 6 pinceaux à maquillage avec leur pochette. Donc 6 pinceaux pour réaliser un maquillage parfait de teint, du teint et des yeux. Ce kit contient un pinceau fond de teint, un pinceau poudre large, un pinceau blush biseauté, un pinceau correcteur, un pinceau ombre à paupières et un pinceau pour highlighter. Franchement, il y a de tout. Après utilisation, rangez vos pinceaux dans leur pochette. Voilà, très simple. Très, très simple. Donc en plus, je trouve que les manches sont vraiment très jolies. Donc voilà, vous avez celui-ci. Je ne sais pas trop à quoi il correspond celui-là. Je pense que celui-là, c'est pour le fard à paupières. Ça, c'est pour les fards à paupières, je pense. Vous avez un plus plat et un plus épais, on va dire. Ensuite, on a celui-là pour le blush qui est biseauté. Mais ils sont hyper bien fournis hein, et ils sont hyper doux. Très sympa. Vous avez également celui-là pour la poudre. Par contre, il est aussi biseauté. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ? Je pense que celui-là, c'est pour la poudre. Vous avez celui-là qui est pour le fond de teint. Ça, c'est pas ce que j'utilise pour le fond de teint, mais je l'utiliserai pour autre chose. Et on a l'highlighter, donc en éventail. Ça, c'est pas ce que j'utilise. Donc, le donner peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Mais voilà. Après, voilà, je trouve que ce kit est vraiment pas mal du tout. Et vous avez du coup la pochette qui est, ma foi, très jolie. Hop. Et vous rangez vos pinceaux à l'intérieur, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre que ces pinceaux-là. Vous pouvez mettre les vôtres aussi. Hein. Mais voilà, au moins, on a une pochette pour les ranger. Ils ne prennent pas la poussière. Tout va bien, c'est nickel. Mais franchement, il n'était pas cher du tout. Je crois qu'il était à moins 50%, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, je crois que quand j'ai commandé sur Nocibé, il y avait la deuxième des marques. Si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai tout en bas de l'écran. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et là, il faut que j'enlève aussi la colle qui est sur les pinceaux. Sinon, ils se collent entre eux. Donc voilà pour le kit de pinceaux. Et bien évidemment, avec les pinceaux, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute des palettes. Puisque je ne vois pas l'intérêt d'acheter des pinceaux sans palettes. On est d'accord. Du coup, j'ai craqué pour deux palettes. Deux palettes qui m'avaient l'air tellement belles. Donc j'ai craqué pour ces deux palettes-là. Voilà, donc j'ai craqué sur la Spring Vibes et la Summer Vibes. Et franchement, elles étaient trop, trop belles et pas chères du tout. Donc, je vais vous ouvrir la Spring Vibes. J'en avais déjà acheté une aux dernières soldes de chez Sephora. Franchement, elles sont trop, trop bien. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elles sont bien pigmentées. Donc là, je me suis dit, ben, pourquoi pas refaire l'expérience avec des autres palettes. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça, là, de l'enlever du carton. J'ai envie de garder le carton, donc je vais essayer de ne pas le casser. Donc, waouh, elle est vraiment magnifique. Donc, elle est comme ceci. Vous avez la protection, le miroir et voici les teintes. Vous avez également un pinceau inclus avec. Elles ressemblent fortement, je pense, à ceux de chez Anastasia, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, je les aime vraiment beaucoup, ces palettes-là. Donc du coup, ben, j'ai pris celle-ci. On va bien évidemment swatcher. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et demi. Mat. Oula, je vous ai bougé. Et on a 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 irisés. Donc voilà, plutôt pas mal. Les couleurs sont plutôt bien aussi. On a du vert, du violet, du orangé. Donc on va swatcher quelques petites couleurs. On a un turquoise là. Waouh. Le petit orangé. On va swatcher bien évidemment un irisé. Et le doré. On est sur une texture classique. On va les mettre là. Hop, alors attendez. C'est un petit peu poudreux. Mais il y a la pigmentation. Voilà ce que ça donne. Hop là.
Ouais, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal. Je me réessuie sur un papier bulle. Tout va bien. Donc là, on est sur des couleurs un peu plus... Je sais pas comment on dit ça, froide ou chaude. Je sais pas. Mais voilà, j'aime beaucoup le packaging. C'est en carton et franchement, elles sont juste trop trop canon. Et du coup, j'ai pris également la Summer Vibes qui est dans les tons un peu bleu. Ouais, bleu. Alors, voyons la différence. Alors, on a aussi du bleu, mais pas un bleu pareil. Et puis, on est dans les couleurs nude aussi, dans celle-là. Donc, je vais vous montrer. Hop, et je vais vous swatcher quelques couleurs également. Mais voilà, je l'ai trouvée tellement belle que j'ai craqué. Donc, elle se présente comme ceci. Très, trop belle aussi. Le miroir, la protection. Et les couleurs sont comme ça. Donc, je vais vous mettre l'autre à côté pour vous montrer un petit peu les couleurs. Si j'y arrive, Émilie, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on a... on retrouve pas forcément des couleurs pareilles. Hein, mais franchement, elles sont vraiment canon. J'ai fait tomber le pinceau. Alors... Les couleurs sont comme ceci, un peu plus dans le rose violet. Hein. Franchement, elles sont très jolies. Le bleu a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, on va swatcher tout ça. On va swatcher bien évidemment le bleu. Waouh, regardez-moi ça. Le petit jaune mat. Je mets pas beaucoup de jaune, donc ça peut être pas mal ça pour tester. Un petit rose. Et allez, le petit jaune plus foncé. On va voir ce que ça donne. Hop. Et voici. Franchement, c'est des jolies couleurs. J'aime beaucoup. Là, on est plus dans les couleurs chaudes. Plus couleur été, quoi, je veux dire. Non, c'est... Franchement, je suis pas déçue de mon achat. C'est super, les lingettes. On adore. Non, je suis pas déçue de mes achats. Franchement, elles sont juste canon, ces palettes. Donc, dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testées et ce que vous en avez pensé. Mais si vous voulez une vidéo spéciale Nocibé, je vous ferai ça parce que j'ai quand même les rouges à lèvres, les palettes, les pinceaux, le blush. Non, pas le blush, le bronzer, l'highlighter. Je pense que je dois avoir un blush et je dois avoir quelques petits autres trucs de chez Nocibé, je pense. Donc, je pense que je pourrais faire une petite vidéo de crash test hein, de ces petites merveilles. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà pour mes petits achats soldes. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Mais au moins, voilà, je vous donne un petit peu des idées si vous n'avez pas encore craqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye!